Hello la team Popo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va raconter vos pires cadeaux de Noël. Alors on a fait un sondage sur Instagram et on vous a demandé vos pires cadeaux. Du coup on les a triés parce qu'on a reçu un nombre de messages incalculable. J'ai dû les partager avec Flo pour pouvoir les trier, tellement vous avez eu des cadeaux pourris. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné les plus drôles. Donc 10 chacun, comme ça au moins il y a une petite part de suspense de savoir ce que l'autre trouve nul en fait. Et bah voilà. Déjà attends, avant de commencer, c'est quoi ton pire cadeau que t'as eu? A few moments later. Bah, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu le pire cadeau, en vrai. Je vois, ça m'a fait plaisir. Enfin, voilà, c'est des détails. Nous, on n'a pas eu de cadeau, on réfléchit. Bon, on a réfléchi pourtant, mais. C'est génial parce qu'il y a des gens qui nous regardent. En vrai, j'en ai en tête, mais je le dirai pas à la merci. Bon, allez, on va commencer à lire vos pires cadeaux. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous pensez des cadeaux des gens et si ça vous a fait marrer ou pas. Et si vous avez eu un pourri. Voilà, ceux qui n'ont pas commenté sur Instagram. Puis, petite parenthèse, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces en l'air. Allez. Alors, une parure de lit 100% polyester alors que la personne savait que j'y suis allergique. J'avoue que c'est dur. Mais il y a plein de trucs comme ça. Ouais. En plus, surtout la personne, si elle le sait, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Ah là 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 là. On va les enchaîner parce qu'il y en a 20 quand même. Des torchons. J'avais 13 ans, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Des torchons à 13 ans. Mais ça, c'est obligé, c'est quelqu'un qui l'aime pas ou. Non, tu sais, il prépare la trousse. Tu sais comment ça s'appelle, le trousseau? Ouais, mais pas à 13 ans. Pas à 13 ans. Alors moi, j'en ai un, attention. Mes parents avaient inversé les paquets, j'ai reçu le cadeau de ma sœur. Ah, c'est moche. C'est moche, ah ouais. Ah, c'est vrai, non, c'est moche. C'est tellement drôle. Attention, celui d'après. Celui-là me fait mourir de rire, je l'ai pris parce qu'il faisait mourir de rire. Une tirelire en forme de cochon, cadeau, un peu déplacé, vu que je suis en surpoids. En fait, elle l'a pris pour elle, alors ça se trouve c'était juste un beau cadeau. Ah, c'était juste une tirelire. Oh. Ouais, elle m'a fait trop rire celui-là, j'étais obligée de le lire. Oh là là, vos cadeaux me font trop marrer, franchement. Alors, j'ai pas reçu de pire cadeau, mais une fois j'ai offert un sac cassé qui appartenait à ma sœur. C'est le truc que, vite, il faut un cadeau dans le placard. Okay, c'est ça. Ouais. Oh, j'ai un truc dans le même style après, tu vas voir. Alors, une centrale vapeur par mon copain de l'époque. Lui avait eu une PS4. T'imagines les boules. C'est pour ça que nous on essaie toujours de faire attention, on se dit les budgets, parce que du coup sinon c'est trop bizarre quand tu offres un cadeau à 300-400 balles et que l'autre il en a 20 balles. Et on m'a offert un collier ami pour la vie alors je détestais cette fille. C'est tellement drôle, putain. Bah surtout tu dis... C'est un beau geste en plus, tu vois. C'est quand même gênant parce que du coup si l'autre elle pense que ça match super bien et qu'en fait l'autre non... Ça veut dire que, enfin bref, l'aide d'après, alors attention, c'est un petit peu comme le sac à main. J'ai eu une trousse avec des soins déjà à moitié utilisés. C'est la mamie. C'est la mamie qui a plein de trucs dans son placard. Bon, je donne lui pour Noël, tu sais. Mais au pire, tu lui donnes, mais tu l'emballes pas, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et vous nous donnez trop des idées à faire à Liliana plus tard. Une crème anti-âge pour les 50 ans et plus, alors que j'ai 28 ans. En vrai... Mais qui offre une crème anti-âge? Déjà, qui offre ça? Et en plus, souvent, ceux qui offrent ce genre de produit, c'est parce que la personne, elle prend soin d'elle et tout. Ouais. Et du coup, moi, je le prendrais vachement mal. Ah ouais, bah attends, bouge pas, j'ai un autre truc après sur le même style. C'est ouf, au cadeau. Ah, celui-là, il m'a fait marrer. Du pâté. Du pâté. Bah après, ça dépend si c'est... Si c'est une personne âgée, tu peux offrir des paniers garnis avec du pâté, genre de tarroir et tout, tu vois. Mais en vrai, si c'est un panier et t'as plein de trucs de bouffe et tout, ça me choque pas. Parce qu'en vrai, on l'a déjà fait, un panier garni. Mais c'était à tes grands-parents, si c'était pas... Mais en fait, je sais pas quoi, dans ma tête, j'imagine le paquet de pâté emballé. Tu vois. Et lui, tu sais, même pas un bon pâté, c'est le pâté au champ. Mais c'est ça, je sens. Alors, j'ai eu des CD des différents contes racontés en français alors que j'avais 13 ans. J'aurais eu trop les boules, moi. Personne les écoute en plus, ces CD-là. C'est ce que j'allais dire, ouais. Oh là 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 là. Ah, celui-là était magnifique aussi. On m'a offert une carte cadeau chez Jules, mais je suis une fille. Oh, putain.
Mais c'est fait exprès, c'est pas possible. Si c'est un mec qui lui a offert, c'est juste pour dire vas-y, achète-moi des fringues. Ouais, c'est un bâtard, encore pire, il achète un cadeau à sa femme pour qu'elle achète. Bah voilà, me fait rire, Jules alors que c'est une fille. C'est comme si t'allais chez Jennifer pour un garçon quoi en fait. Ouais, c'est ça. J'ai prêté un jeu de PS4 à mon frère, il me l'a offert comme cadeau de Noël. Ah lui c'est mon héros, il est trop fort, il est trop fort. Une espèce de cache pour oiseau avec une bougie qui sentait le vieux. En fait c'est le truc qui sentait le vieux, ça m'a tué. Et le pire c'est que dans ce moment là tu fais en plus je vois l'odeur un peu tu vois. Oui c'est ça, tu es obligé de faire waouh. C'est tellement ça. Ah oui alors celui-là je l'ai pris, il est pas forcément drôle mais parce que je pense qu'on l'a tous eu. Ah, vas-y. Mort de rire, quand j'étais petite, on m'avait offert un jeu, mais il était super nul et j'ai jamais compris le principe. On l'a tous su. C'est genre un jeu de société que tu reçois, tu comprends pas les règles ni le principe et il finit dans ton placard. Ouais. Et genre, tu l'utilises pas. Ah, il a l'air bien ce jeu. Ouais, j'ai jamais joué. Tu dis. C'est vrai, avec un pote. Alors, celui-là est magique. On m'a offert un bécheret, alors je suis dyslexique. J'ai pas du tout ri. Ah non, c'est pas bien. La blague de bâtard, c'est tellement drôle. J'ai eu des cadeaux comme ça, genre on m'a offert un dictionnaire et tout. Ouais, tu veux venir pour la vidéo? Elle voulait venir pour la vidéo, maman, je pense. Un égouttoir de pâtes, mais genre acheté sur Wish. Donc les trucs Wish, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où t'achètes tout à bas prix, quoi. Genre moins d'un euro, là, c'est sûr, un égouttoir à pâtes, c'est moins d'un euro. Et même, à quelle idée tu offres un égouttoir à pâtes? Ouais, c'est ça, surtout. Bah, après, ou alors c'est que t'es vraiment envie. Ouais, enfin, tu fais un gros truc avec plein d'ustensiles ou un truc comme ça, mais pas un égouttoir. Ouais. Et mon dernier, une maquette d'insectes alors que j'avais 10 ans. Bah après, ça va, mais si t'aimes pas les insectes, bah, t'aimes pas les maquettes... Vu les smileys... Une maquette d'insectes. Mais j'ai une maquette d'insectes. Au pire, on ouvre une voiture. On... Tiens, prends le bébé. Ah, je prends le colis. Prends le colis. Elle se regarde en fait. Allez, on finit par mes deux derniers. On m'a offert les relations amoureuses pour les nuls. Je crois que le message est passé. C'est pas tard. Noël en couple, relations amoureuses pour les nuls. Et le dernier, je crois que c'est ça. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure. On m'a offert un relooking tout pourri. Sympa le message derrière. Oh punaise. Un relooking. Ouais, c'est vrai. Ton look de merde là va le changer un petit peu là. Oh putain. Ah bref, du coup c'est tellement drôle, vos cadeaux étaient trop délirants. Après il y en a qu'on n'a pas sélectionné, moi j'en ai un qui m'a marqué, c'est genre, je l'ai pas pris mais on m'a offert une poupée gonflable garçon. Ah. Mais genre t'offres ça à une fille à Noël quoi. Ouais, c'est quand même chelou. Et j'ai eu beaucoup des préservatifs, Bah moi j'en ai eu plusieurs où c'était du shampoing. Du shampoing? Bah ouais, j'ai pas compris à quel moment. Ah bref, du coup voilà. Enfin, bon, bref. On essaiera d'offrir une patate ou à quoi on offrira à Liliana cette année? Tiens, un truc du pâté, on va lui offrir du pâté. C'est dans le coin là. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à savoir lequel vous a fait le plus rigoler, et surtout si vous avez des pires cadeaux. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Ciao!